Besoin de quelques petites blagues sympas à garder sous le coude? Tu vas adorer celle-ci. Tant que tu n'es pas du côté des victimes. Je n'ai pas mangé depuis des heures. Je ne savais pas qu'on avait ça. Bonjour, douceur sucrée. Non? Il y a quelque chose à manger ici? Un petit encas par là? Des légumes? Et là? Oh! C'est quoi ça? On dirait qu'une petite farce nous attend. Commence par mettre le pain de savon dans le micro-ondes. Ce truc fond comme du beurre. Ça a l'air prêt. Que la farce commence. Regarde ça, Kevin. Wow, t'as trouvé ça où? On échange? Yes! Je n'ai pas mangé de barbe à papa depuis une éternité. J'ai déjà l'eau à la bouche. Attends. C'est dégoûtant! Enlève-moi ça de la langue! Je te déteste, Adam. Moi aussi, je t'aime, mon pote. Mais je préfère ça. C'est une bouteille? Il faut donc relever le défi du retournement de bouteille. Ah, allez! Juste là. À cet angle. Bon, c'est parti. Sérieux? Quel échec! Mais contrairement à Adam, il y en a qui réussissent du premier coup. Je parie que je pourrais le refaire les yeux fermés. Quoi? Ok, encore une fois. Yeah, baby! Est-ce que le liquide a un rôle à jouer? Non. Il y a un ingrédient secret. Du bicarbonate de soude. Verse-en une cuillère à soupe et revisse le bouchon. Puis, secoue bien. Prêt? 1, 2, 3. Yes! Et double yes! Ça marche vraiment! Tu bois un soda toi aussi, hein? Sauf que le mien est un peu différent du tien. Waouh, on dirait du slime ou un truc comme ça! Je ne sais pas si je dois le boire ou jouer avec. Je suis sûr que je pourrais faire des farces avec ça. Hein? Wow! C'est sorti de ton soda? Sérieux? Mec, il faut que tu me montres comment ça marche. Dis bonjour à l'ingrédient secret. Tu veux savoir comment on fait? Verse la colle dans la bouteille de coca. Au début, ça va tomber au fond, comme un long serpent flippant. Quand il est plein, remets le bouchon. Et maintenant, le plus drôle. Secoue, secoue. Est-ce que ça se mélange? Wow, attention, Kev. Oh, je dois y aller. Cramponnez-vous, les gars. Explosion! Je parie que tu n'avais rien vu venir, hein? Adam! Wow! Oh! Le fichu lundi! Je ne peux même pas ouvrir les yeux! Je crois que celle-ci est à moi. Que le spectacle commence! Hein? Est-ce que le dentifrice a explosé ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que Kevin est juste dégueu? Burk! Salut! Tu peux t'expliquer? Pas vraiment. Je suis super en retard. Mais quelle poule mouillée! On dirait qu'on a presque plus d'œufs. Il vaut mieux que ces deux derniers soient bien utilisés, non?
Pour cette farce, applique un peu de dentifrice sur l'œuf. Maintenant, étale le tout autour de l'œuf. Il vaut mieux utiliser ta brosse à dents. Ensuite, remets-le dans son emballage. N'oublie pas l'autre. Ça va être tellement drôle. À bientôt, les gars. J'ai trop faim. Les œufs, ils sont censés ressembler à ça? Parfois, les œufs sont marrons, mais jaunes. Il y a quelque chose qui cloche. Wow! On dirait du chewing-gum. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont périmés? Je peux toujours les manger? Je me demande si je peux les faire éclater. Ça me fait penser à des globes oculaires. Je te vois. Hey! Salut Adam! Plutôt bizarre, tu trouves pas? Regarde ça! On va voir si ce truc peut rebondir. T'as vu ça? Génial! Et j'ai failli manger ça! Il est 8h, ce qui veut dire que c'est l'heure de mon émission. J'ai attendu toute la semaine pour ça. Wow, regarde cette voiture! Il n'y a plus d'électricité? On dirait que je vais devoir regarder la rediff. Je me demande ce que fait Kevin. Toi aussi, t'as plus de courant, mec? Allô? Ma batterie est morte aussi. Cette soirée, c'est de pire en pire. Quelqu'un m'a dit un jour que les pommes pouvaient recharger. Je crois qu'il me manque une pièce du puzzle. Je sais! Tu as deux pommes et une pièce. Enfonce-la sur le côté de la pomme. Mets-la bien dedans. Fais la même chose avec l'autre pomme. Maintenant, il est temps de brancher ton téléphone. Tu sens ça? Pose maintenant un couteau à beurre sur le dessus. Prends ton chargeur et plante-le dans la pomme comme ça. Maintenant, il est temps de brancher ton téléphone. Fais attention! Oui! C'est comme ça qu'on alimente une batterie. Tout ça pour pouvoir parler à Kevin, n'est-ce pas? Où est Jennifer? Elle a laissé toutes ses affaires là. On dirait qu'elle est occupée. Cool. Bon, si personne ne vient par ici, autant s'amuser un peu. Voyons voir. Quelle jolie brosse. T'es pas mal, mon gars. Du parfum? C'est un truc de luxe. C'est du vrai gardenia? Tchoum! Oups! Oh, Jennifer va me tuer! Je dois réfléchir vite. Attends un peu. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Wow, qu'est-ce que tu fais là, Adam? Tu fabriques toi-même ton nouveau maquillage? Adam? Attention! Le grand maître maquilleur. C'est vrai, regarde ça. On va aspirer tout ça, ok? C'est assez puissant pour un sèche-cheveux. Qui aurait cru que tu pouvais le transformer en un aspirateur? Très bien, c'est presque fini. C'est Jennifer? Il faut que j'accélère la cadence. Allez, mes petits, rentrez là-dedans. Vite, ferme le couvercle. Eh oh, y a quelqu'un ici? Bizarre. Tu crois qu'elle m'a vu? Tu as aimé ces farces géniales? Teste-les sur tes potes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube 123 Go Boys pour découvrir d'autres super vidéos comme celle-ci.